Les voyelles en hébreu s'écrivent selon un système de traits et de points. En voici un exemple avec la première lettre de l'alphabet hébreu, le Aleph. Voici le Aleph en écriture imprimée et le Aleph en écriture cursive, c'est-à-dire manuscrite. Alors, il faut savoir qu'en hébreu, cette lettre ne se prononce pas. Le Aleph ne se prononce jamais, donc comment va-t-on le lire? Eh bien, nous lirons uniquement les voyelles qui l'accompagnent. Alors, il existe, vous voyez, plusieurs voyelles différentes en hébreu. Le A, le E, le E, on verra tout à l'heure, c'est un cas particulier, le I, le O et le OU. Trois façons différentes d'écrire la voyelle A, d'écrire le son A. Soit un trait en bas, qu'on appelle le patar, ici. Un trait en bas, c'est un A. Le petit T, ici, c'est aussi un A, d'accord? Ça s'appelle le kamatz. Et trait plus deux points, c'est toujours le A. Trois façons différentes d'écrire un A. Le rataf pata. Donc A, A, A. D'accord? On ne prononce que les voyelles ici qui se trouvent en bas. On continue avec le E. E, E, E. Là encore, trois manières différentes de prononcer le son E. Deux points en bas, trois points en bas ou cinq points en bas. Ici, alors, c'est un cas particulier, il n'y a rien d'écrit. C'est normal, alors, parce que sur le Aleph, ce son-là n'existe pas. Par contre, je vais vous montrer un autre exemple avec une consonne différente qu'on appelle le Ret. Le Ret, ici en hébreu, là, écriture imprimée, écriture cursive. Nous allons nous intéresser à cette case. Comment va-t-on prononcer? Là, on va prononcer R, R. Vous voyez que c'est un E très court, à peine vocalisé. Le E s'écrit avec deux points, comme ça. C'est deux points. Et on lit toujours, alors, mis à part deux exceptions, c'est-à-dire le Aleph et la lettre Aïn, on lit toujours la consonne avec la voyelle qui l'accompagne. Ici, le Ret va se lire la R, R, R. Voilà. Nous reprenons notre premier exemple Aleph. Donc, nous continuons avec la voyelle I. I, deux façons de l'écrire. Avec un point en bas, I. Ou alors, un point en bas et un petit trait qui s'écrit sur la demi-interligne. I. 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 D'accord? I, I. O. 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 Alors, trois façons différentes. O avec un point en haut. O avec une barre ici et un point en haut. Et le O, c'est un petit T et avec les deux points. Voilà, O. Et enfin, la dernière voyelle, c'est le OU. OU avec trois points en bas qui descendent un peu comme des escaliers. Trois points ici. Ou alors OU avec une barre qui tient sur une interligne entière et le point au milieu. Ça, c'est un OU. OU, OU. D'accord? Alors, je répète. A, A, A. E, E, E. E, c'est pas vocalisé ici. I, I, O, 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 OU, OU. Voilà. Donc, nous allons maintenant essayer de les reconnaître dans le tableau, là. Alors, nous avons ici un point en bas. Qu'est-ce que c'est? C'est le I. Voilà, I. On va prononcer, là, on va prononcer cette lettre, I. E. Donc, c'est le tseré ici, ce qu'on appelle le tseré. C'est les deux points. C'est E. Ici, c'est A. A. D'accord? Le rataf pata, le kamatz, pardon. Là, le kamatz, voilà. Le OU, ici, on reconnaît bien donc la barre avec le petit point au milieu. C'est le OU, d'accord. Ici, c'est le A, d'accord. Vous le retrouvez ici, donc A, A, le A. Et puis, le I en dernier, ici, le I.
Voilà, on le reconnaît puisqu'il était là. Voilà, donc maintenant, vous savez lire les voyelles et reconnaître les différents sons qui existent en hébreu. Donc, deux petits points à retenir. Donc, toutes les consonnes en hébreu se prononcent avec les voyelles qui l'accompagnent, sauf pour la lettre Aleph et la lettre Aïn. Voilà, et le son qui est ici, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un peu particulier avec les deux points en bas, c'est un E très court, à peine vocalisé. Parfois on ne le prononce même pas, on fait une liaison justement pour l'élider. Voilà. Fin du cours sur les voyelles.